bonjour tout le monde, nous sommes lundi, début de semaine et bienvenue dans un nouveau vlog, une nouvelle vidéo pour cette semaine ensemble. J'ai l'impression que j'ai plein de choses à vous dire et que je vais en oublier la moitié. La première chose que je voulais vous dire c'est, je ne sais pas si parmi vous il y a des fans de Stranger Things, mais j'ai terminé la dernière saison hier soir. On en parle de la fin. On en parle de la fin où il laisse une porte ouverte et où il n'y a pas vraiment de fin. Et où en gros on se dit, ah ouais, ah oui non mais non, nous on veut la suite maintenant. Genre ça a été la grosse frustration, surtout quand j'ai vu que c'était le dernier épisode, je me suis dit, ah trop bien, tout va se conclure. Et comme il y avait plein de choses en cours au niveau des actions, des rebondissements et tout, j'ai dit à mon mec, ah non mais ce dernier épisode ça va être la folie. Ouais bah la folie en fait, la folie, on reste sur notre fin et en gros il faut qu'on attende la prochaine saison. Donc bon, un petit peu frustrée je vous avoue, je sais pas voilà s'il y a des fans de cette série parmi ceux qui me suivent sur YouTube, mais vous me direz, pour ceux qui ont regardé, voilà ce que vous avez pensé du dernier épisode de la dernière saison, saison 4. J'ai terminé du coup hier, je vous en parlais en fait dans le précédent vlog, j'étais en cours de lecture dans le précédent vlog et je vous disais que je vous ferais un petit update de cette bande dessinée donc géante de Devenay et Tamari, édité chez Delcourt. Alors mon avis reste inchangé, oui mon avis reste inchangé, j'ai beaucoup aimé cette histoire, ça me fait penser en fait à... Alors ça me fait penser à Podom, non ça me fait pas penser à Podom que je vous présentais dans un précédent vlog. En fait c'est le genre de bande dessinée je pense à avoir dans sa bibliothèque, à prêter, à acheter pour d'autres. D'ailleurs là je pense que je vais, enfin c'est pas je pense, et je suis sûre je vais l'acheter, me la procurer pour l'avoir dans ma bibliothèque puisque là c'est un exemplaire emprunté. En fait, on aborde plein de sujets qui, pour moi, sont essentiels sous forme d'un conte fantastique. Donc, à savoir, l'acceptation des différences. On a l'amour et ses libertés. Donc, la liberté sexuelle, la liberté d'aimer qui on entend. Ça parle aussi d'avortement, ça parle d'égalité des sexes, ça parle de la place de la femme dans la société sous couvert d'un conte fantastique. Puisque, je vous le rappelle, il est question donc de Céleste qui est née géante et qui est découverte par un homme de taille standard. Je parlerai pas ici de normalité parce que justement c'est un peu tout ce contre quoi lutte cette Céleste en fait, qui du coup n'est pas jugée comme étant normale. Et du coup, donc ce monsieur avec son épouse et ses 5-6 garçons décident du coup d'adopter Céleste et de lui permettre de vivre avec eux. Au fur et à mesure que les frères vont atteindre la majorité, ils vont tous quitter le foyer. Du coup, Céleste va rester avec ses parents, sauf que Céleste a très envie de découvrir le monde, a très envie de découvrir ce pourquoi elle est faite. Sauf que ses parents, du coup, voilà, lui font bien comprendre que, un, c'est une femme, une fille, et que, deux, elle est différente, et que, du coup, la perfidie, on va dire, des hommes en dehors de leur cocon montagneux, voilà, en gros, elle est pas prête, quoi, à ça. Mais, du coup, voilà, une opportunité fait que Céleste décide quand même, malgré tout, de descendre dans la vallée, et de se faire un petit peu son propre avis sur les hommes, sur les hommes de façon générale, hein, les hommes, les femmes, enfin voilà, sur cette société qu'elle ne connaît pas. Elle ne va absolument pas être déçue, et en fait il va se passer plein de péripéties, en fait elle va emprunter plein de voies différentes pour trouver celle qui lui correspond le mieux. Et du coup, sur son chemin, elle va croiser plein de situations qui vont du coup aborder les thèmes dont je vous parlais tout de suite. Voilà, mais en tout cas, je l'ai trouvé absolument, absolument génial. Donc franchement, si vous ne l'avez pas lu, allez-y. Et moi, je vais courir l'acheter pour l'avoir dans ma bibliothèque. J'avance pas mal sur le Anna McPartlin. Oula, Anna McPartlin, pardon, sous un grand ciel bleu. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui ou demain pour passer à autre chose. Pas que ma lecture ne se passe pas bien du tout, hein, j'aime beaucoup, mais juste que voilà, j'ai envie de changer d'histoire, envie de découvrir d'autres personnages.
Je voulais vous parler d'un petit quelque chose. En fait, j'ai été contactée, enfin ça fait un moment que je suis contactée par des maisons d'édition jeunesse. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai à la maison un petit chat qui adore la lecture. C'est-à-dire que la première chose qu'il fait le matin quand il se réveille, c'est qu'il prend un livre dans sa bibliothèque, il vient dans ma chambre. Maman, on lit un livre! Je n'ai pas les yeux encore ouverts. Hein. Donc vraiment, enfin, il est. Des fois, c'est le silence dans l'appart. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, il est dans le canapé. Il a sorti plein de livres et il est assis dans le canapé et il est en train de feuilleter ses livres et de regarder ses livres. Donc c'est vraiment un. Voilà, il adore ça. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, les chiens ne font pas des chats. Et du coup, je me suis dit, voilà, plus il va grandir et plus il va être au taquet sur les beaux albums jeunesse que j'adore. Et c'est déjà le cas sur voilà, de belles histoires avec des beaux designs, des belles illustrations. Il y a ces maisons d'édition qui me contactent et qui me proposent des choses. Peut-être qu'à un moment, je pourrais insérer la littérature jeunesse dans mes vlogs, sur mon compte Instagram, etc. Et j'ai partagé le post de maman point point que je suis sur Instagram et qui proposait des idées de livres pour la fête des pères. Et donc j'ai partagé en fait son post sur Instagram. Et j'ai en plus fait un petit sondage pour savoir parmi celles et ceux qui sont abonnés à mon compte Instagram qui étaient intéressés et qui aimaient bien la littérature jeunesse. Et au final, la majorité, vous aimez quand même bien la littérature jeunesse et vous y êtes plutôt sensible. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans aussi qui me suivent. Donc, tout ceci réuni, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Donc, je ne sais pas encore exactement quelle forme ça va prendre. Est-ce que ça va être un rendez-vous? Parce que j'ai quand même envie que mon compte Instagram et YouTube reste quand même majoritairement un compte roman adulte, enfin ce que je vous partage déjà. J'ai vraiment juste envie que la littérature jeunesse ce soit le petit plus, on va dire la petite cerise sur le gâteau qui vient apporter un plus voilà, à tout ce contenu. Alors est-ce que ça va prendre la forme d'un rendez-vous par semaine, par mois? Tous les 15, je sais pas encore trop. Le vendredi, je me disais que ça pouvait être pas mal une publication jeunesse, puisque c'est avant le week-end, c'est là qu'on passe du temps avec nos enfants, c'est là généralement le samedi qu'on va faire un petit tour en ville et potentiellement en librairie, et que potentiellement ça peut donner des idées du coup pour un passage en librairie le samedi. Bref, en tout cas, voilà un petit peu ce qui trotte dans ma tête. Et du coup, suite à ma publication. Le partage de mon poste, du poste de Madame Point Point, pardon, j'ai commandé les deux fameux livres qu'elle conseillait à la FNAC et je les ai reçus pour du coup que mon petit chat puisse les offrir à son papa pour la fête des pères, donc la semaine, bah non, ce week-end. Je les ai pas, là je vous les présente comme ça, comme je ferai un unboxing normal pour des romans et voilà, je vous en ferai un retour un peu plus poussé. Dans la semaine, donc là c'est mon papa à moi est un héros de Mifflin Law et les illustrations c'est Danny Torrent et donc la maison d'édition c'est Kiman, donc maison d'édition que je ne connaissais pas et voilà, donc quand je l'ai vu sur le compte de maman point point, je crois que c'est ça le compte, je suis allée un petit peu regarder, feuilleter sur du coup leur site internet, le livre, et en fait je l'ai trouvé plutôt chouette. Plutôt que de vous le présenter comme ça, je vais vous faire des petits inserts, mais en gros de ce que j'ai compris, c'est le papa qui est dans plein de situations plutôt héroïques, en tout cas que le petit garçon juge héroïque, et du coup le papa arrive toujours à se sortir de toutes les situations sous le regard complètement admiratif de son fils, pardon. C'est l'homme le plus incroyable du monde. Il est plus fort que le Yeti et plus intelligent qu'Einstein. Il a déjà compté jusqu'à l'infini deux fois. En plus, il cuisine des spaghettis au chocolat. C'est papa. Donc voilà, du coup, le premier livre, Mon papa à moi est un héros. Et le second, alors là, le second, il n'est pas vraiment focus sur le rôle du papa, mais il y a dedans un.
une jolie relation entre un père et son fils, puisque en fait c'est donc l'enveloppe à soucis. Là c'est édité chez Langue au Chat, donc c'est Sophie Andriarnsen et Leila Briand, donc voilà, que j'ai trouvé pareil super super jolie. Non mais la littérature jeunesse hein, de toute façon Oh là là, mais en fait, je pense que si je n'avais pas d'enfant, j'achèterais quand même de la littérature jeunesse juste pour mon bon plaisir. Et là, en fait, il s'agit du coup d'un papa et de son fils qui, toute la journée, ont vécu plein de choses et qui, le soir, se retrouvent et un petit peu partagent leur petit tracas du quotidien et leur journée où, voilà, il y a des choses qui ne se sont pas forcément bien passées. Et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces petites émotions ressenties dans la journée? On les glisse dans l'enveloppe à soucis que vous avez, du coup, je ne vais pas réussir à l'ouvrir, que vous avez, voilà, jusque là. Ce qui veut dire que typiquement, si vous avez des enfants qui commencent déjà un petit peu à colorier, à dessiner et tout, rien ne vous empêche, voilà, dès qu'il y a un petit souci d'évoquer dans la journée, hop, d'en faire un petit dessin, un petit papier, et hop, de glisser ce petit papier dans l'enveloppe à soucis. Donc voilà, j'ai trouvé ça chouette, voilà, ce rapport entre ce papa et ce fils qui se retrouvent à la fin de la journée pour partager leurs soucis de la journée et repartir du bon pied le lendemain matin. Voilà pour cette introduction de vlog de 12 minutes. J'espère que ce début de semaine, en tout cas, se passe bien pour vous et je vous reprends plus tard. Et bonjour tout le monde, nous sommes mercredi aujourd'hui. Je ne vous ai pas du tout pris hier parce que j'avais pas forcément grand chose à raconter. Je suis allée récupérer un petit colis Vinted à mon mondial relais. Bref, oh, c'est emballé dans du papier cadeau. Alors, bien entendu, je sais exactement ce que c'est. Vous, peut-être que vous ne le savez pas. C'est-à-dire que j'en ai parlé. Non, j'en ai parlé pas mal en commentaire, en fait, sous mon dernier vlog et sur Instagram, du craquage de la fameuse saga dont tout le monde parle, et le marketing et la stratégie marketing étant vraiment bien faite. Voilà, c'est-à-dire que je l'ai commandé. Oh, je suis trop contente, il est en superbe état. Non mais le travail, alors c'est très étrange parce que il est petit par rapport à un poche. Ah ouais, le format est vraiment là par rapport à un folio. Il y a, désolée si vous entendez du bruit, il y a la patrouille de France qui est en train de s'entraîner dehors, en train de nous faire un petit show aérien. Vous voyez, il est plus petit. J'aime beaucoup le format. J'aime beaucoup ce format qui est vraiment... Ouais, je sais pas, j'adore ce format. Donc édité chez Monsieur Toussaint Louverture. Hein. De toute façon, je pense, enfin, il n'y a pas que pour faire ce genre d'objet vraiment absolument, absolument magnifique. Même voilà, même si on ne le lit pas, on a envie de le posséder. Encore un joli coup marketing de leur part. Vraiment, vraiment très beau. Donc La Crue, premier tome de la fameuse saga Blackwater de Michael McDowell. Je vais éternuer. Alors, un petit résumé. Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama, les Casquets, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Menée par Mary Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se relever. Mais c'est sans compter l'apparition aussi soudaine que mystérieuse d'Elinor Damer, jeune femme séduisante au passé trouble dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Casquet. J'adore tous les petits symboles. Là, il y a un espèce de petit fœtus. Là, vous avez un trèfle à trois feuilles. Je trouve qu'au-delà du fait que... Enfin, voilà, le rendu est vraiment chouette avec un espèce de léger relief comme ça. Je trouve qu'il y a plein de... Ouais, il y a plein de symboliques, quoi. Trop bien. Donc, autant vous dire que je ne vais pas tarder à le commencer. Le 25 juin, plus précisément, puisqu'il y a Marie-Lucioline Books qui organise une lecture commune du tome 1. Donc, je me suis dit, bah tiens, ça peut être l'occasion de rencontrer ce tome 1 avec d'autres personnes qui n'ont pas encore craqué sur...
sur la lecture du coup de... Ah, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 tomes du coup a priori. L'épique saga de la famille Casquet. Donc il y a la crue, la digue, la maison, la guerre, la fortune et pluie. Et je crois que c'est la digue qui est en cours de réédition parce que il n'y a plus un seul exemplaire. En tout cas, neuf en librairie à trouver. Mais je suis fan de ce format. Vraiment, j'aime beaucoup. Petit message aux maisons d'édition. Si vous voulez éditer plus de petits formats comme ça. Mais franchement, c'est la taille de ma main. Enfin, je trouve ça top. Et pour autant, à l'intérieur, on n'est pas non plus sur une petite police. Donc en fait, ça n'entache absolument pas la qualité de la lecture. Bref, en fait, je ne regrette absolument pas. Je m'étais dit en le commandant, allez, encore un craquage. Tu te fais toujours avoir par influence. Ouais, mais bon. Voilà, déjà sans le lire, on se dit, bon, il y a quand même un potentiel. Bon, voilà. J'ai préparé mon post, du coup, littérature jeunesse. Nous sommes mercredi, que je vais publier, du coup, tout à l'heure, aux alentours de 18h. Et c'est en discutant, je ne savais pas trop, comme je vous disais précédemment, est-ce que je fais un rendez-vous par semaine, un rendez-vous par mois, etc. Je ne savais pas trop comment me situer. Je ne savais pas également quel jour choisir. Au début, j'étais partie sur le vendredi. Et puis, c'est en discutant avec maman, elle me dit, mais pourquoi tu fais pas le mercredi? Le mercredi, c'est le jour des enfants. Enfin, c'est assez symbolique pour les familles, pour les mamans, etc. Donc, je me suis dit, Manon, excellente idée. Nous allons faire ça. Donc, je vais suivre son conseil. Et du coup, je posterai ma première publication tout à l'heure à 18h. Je pense que ce sera plus une publication par mois. Vraiment, je pense que ça va être une publication mensuelle, un mercredi. Donc je sais pas, est-ce que là je le fais ce mercredi-ci qui ne correspond ni à un premier mercredi ou à un dernier mercredi du mois, mais qui tombe en plein milieu, mais juste parce que je voulais vraiment me caler avec l'actualité des fêtes qui est du coup la fête des pères qui tombe ce week-end. Donc je trouvais ça logique forcément de publier, surtout qu'il s'agit de deux livres en rapport avec la paternité. Du coup, voilà, je vais faire ça. Est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que ça va pas vous plaire? Est-ce que je vais être complètement à côté de la plaque ou pas? Bon, bref, de tous les cas, ça ne coûte rien de le tenter. Moi, ça me plaît, donc c'est le principal. Voilà, toujours sous un grand ciel bleu d'Anna McPartlin. Cette semaine, mon rythme de lecture, c'est une véritable catastrophe. J'ai un rythme mais vraiment naze. Il m'aura fallu une semaine pour lire ce livre. C'est qu'il faut absolument que je finisse aujourd'hui d'ailleurs. Bref, c'est une catastrophe. J'aime pas quand j'ai ce rythme de lecture, surtout quand précédemment le rythme était quand même plutôt soutenu. Là, ça fait un peu, ça retombe un peu comme un soufflet. Ça m'embête, mais bon, ça arrive. C'est comme ça. Voilà. Bon, et eh ben écoutez. Je vais faire une petite story Instagram pour annoncer à la terre entière que j'ai craqué moi aussi sur la saga Blackwater. Et je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée et je vous reprends plus tard. Et bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Je vous prends parce qu'il vient d'arriver un colis absolument énorme des éditions Hachette. Mais alors. Voilà. Donc je me suis dit, alors si ça, c'est pas l'occasion de prendre ma caméra, enfin voilà, je suis assez surprise et je me demande vraiment ce que c'est en fait, parce que il me semble que je n'attendais absolument rien des éditions Hachette. Bon là, je vais peut-être l'ouvrir sans vous parler parce qu'en fait, là, je pense que ça va clairement faire beaucoup de bruit. J'en suis venue à bout. Alors en fait, mais du coup, ah mais c'est Hachette Pro. En fait, c'est deux livres de la part des éditions Glénat. Donc on est plutôt sur de la bande dessinée. Et en fait, je sais pas, est-ce que Hachette gère du coup les envois pro des éditions Glénat, ce qui est possible. Ou alors Glénat fait partie du groupe Hachette. Bref, je ne sais pas. En tout cas, du coup, j'ai reçu deux BD romans graphiques. Il y en a un, du coup, de Timothée Le Boucher. Timothée Le Boucher, si vous ne connaissez pas, c'est lui qui a écrit Ces jours qui disparaissent, qui a été
un gros best-seller dans le milieu de la bande dessinée. Et là, il a sorti 47 cordes, qui est sorti il y a un moment, je crois. Du coup, c'est une BD qui sera en deux parties. Et j'avais très, 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 très envie de le lire parce que j'adore les dessins de Timothée Le Boucher. Et c'est lui aussi qui a fait Le Patient. Non, je ne vais pas vous montrer la couverture, je vais vous la mettre là, ça va être plus simple. Et pareil, je vous ferai des inserts, mais j'adore ces dessins. Ça me fait penser à une bande dessinée que je lisais quand j'étais adolescente. Attendez, je vais regarder. Il faudrait vraiment que j'essaye de retrouver cette BD. J'adorais. Je vais essayer de chercher un petit peu, mais si jamais vous avez... si jamais ça vous parle comme ça, en même temps, je ne vous ai pas non plus donné trop d'infos, dites-moi en commentaire si potentiellement ça vous rappelle quelque chose. Alors moi, quand je ne trouve pas quelque chose, je vais chercher jusqu'à trouver, en fait. Donc voilà, bon bref. Donc, 47 cordes de Timothée Le Boucher. Je vous lis le résumé. Une métamorphe créature fantastique capable de changer de forme à volonté tombe amoureuse d'un jeune homme nommé Ambroise. Très vite, des questions se mettent à la hanter. Quel visage doit-elle incarner pour se faire aimer? Qui doit-elle être pour conquérir sa proie? Inconscient de l'obsession dont il est l'objet, ignorant la vraie nature de la créature, Ambroise cherche à acquérir une légitimité au sein de l'orchestre qu'il vient d'intégrer en tant que harpiste. C'est alors qu'il rencontre Francesca Forabosco, cantatrice aussi fantasque que renommée, qui va le prendre sous son aile. Elle lui propose un marché. S'il veut obtenir la harpe de ses rêves, Ambroise devra relever 47 défis. Un seul échec et l'harpe lui échappe. Œuvre la plus dense et ambitieuse de Timothée Le Boucher à ce jour, 47 cordes, conçue en deux parties, explore un univers hypnotique plein de tensions sensuelles et de personnages incarnés. Donc c'est un thriller psychologique qui aborde des thèmes qui lui sont chers comme l'obsession, l'identité sexuelle ou l'altérité. Je suis vraiment littéralement complètement fan des dessins de Timothée Le Boucher. Voilà, je vous fais des inserts pour que vous puissiez un petit peu voir ça, mais j'adore. Ça va être trop bien. Je me tâte du coup à le lire dès cet après-midi. Et du coup, ils m'ont également envoyé Tanana Rive de Sylvain Vallée et Marc Issersol. Je ne sais pas trop comment on prononce. Et en fait, c'est une BD que j'ai découvert. Quand on est allé en Bretagne, donc là pendant les vacances, sur le bord du port. Ah, c'était quel port? Je ne sais plus, mais bref, il y avait... en fait, les éditions Glénat en bord de mer font des grands panneaux et ils glissent des extraits de bandes dessinées que du coup, vous pouvez lire sur ces panneaux avec voilà, un panneau de présentation de la bande dessinée en question. Et là, du coup, où nous étions, il y avait la présentation de cette bande dessinée qui est Tatana Rive, donc voilà, édité chez Glénat. Et voilà, j'avais vraiment adhéré avec les extraits qui étaient exposés par les éditions Glénat. Plus ça va, moins j'ai de souffle. C'est une catastrophe. Alors là, on est vraiment sur des dessins très très différents. Un peu plus à l'ancienne, je dirais. Un peu plus des dessins un peu plus marqués, un peu plus dans le détail. Beaucoup moins lisses. Avec des personnages beaucoup plus façonnés dans les expressions. Pareil, je vous mettrai des inserts. Alors, le résumé. Au soir d'une vie rangée et précautionneuse, un notaire en retraite va partir à l'aventure pour la première fois de son existence. Petite aventure, mais véritable odyssée pour lui. Lancé aussi vite que ses vieux os le lui permettent sur les traces d'un hypothétique héritier, au volant d'un coupé qui n'avait jamais quitté le garage et accompagné d'un curieux passager, il va découvrir qu'il n'est jamais trop tard pour en apprendre sur les autres et sur soi-même. Donc c'est un road trip initiatique touchant, drôle et poétique. Les éditions Glénat, si vous passez par ici, merci beaucoup beaucoup pour cet envoi. Mais 47 cordes, là j'ai envie de le commencer tout de suite. 47 cordes et Tanana arrive. Niveau lecture en cours. Alors si je viens de lancer, j'ai lancé hier un sondage pour du coup avoir le nom de celles et ceux qui étaient intéressés pour faire une lecture commune du tome 1 de La Villa aux étoffes.
Vous avez été plusieurs là à répondre, on est une dizaine pour le moment. Mais si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram et que vous me suivez ici sur YouTube, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que... Alors en même temps, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je ne peux pas vous insérer à la discussion. Peut-être que vous me suivez sur YouTube et que vous n'êtes pas souvent sur Instagram et que du coup vous n'avez pas vu ma story. Auquel cas, dites-moi du coup en commentaire si vous voulez participer à la lecture commune sous un grand ciel bleu. Anna McPartlin. Je passe du coq à l'âne. Il me reste ça et je viens de comprendre quelque chose au sujet de Molly, la maman de Rabbit. Je comprends quelque chose à 100 pages de la fin. Après, est-ce qu'on pouvait le deviner avant? Peut-être pas. Mais en tout cas, si c'est le cas, j'ai pas été très bonne. Après, pour la lecture suivante, j'ai plein de possibilités. J'ai voté hier pour du coup le Grand Prix des lecteurs Pocket. Il faut d'ailleurs que je fasse ma photo aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ah si, j'ai voté aussi pour le prix des lectrices des éditions Charleston. Enfin voilà quoi, deux trois petites bricoles, mais finalement pas mal de petites choses. Aujourd'hui j'aimerais bien tourner un TikTok littérature jeunesse, un TikTok sur justement le Grand Prix des lecteurs Pocket. J'ai deux photos à faire. Bon là, ça va être une bonne journée encore. De petites choses à faire. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous reprendrai sûrement pour un update ce soir et pour vous présenter ma nouvelle lecture. Et coucou tout le monde, nous sommes vendredi aujourd'hui, dernier jour de la semaine. Attendez, je vous recale un peu. Hop là, j'espère que vous allez bien, que vous êtes parés pour votre week-end. Bon bah ici la météo comme partout en France, hein, il fait extrêmement chaud. Mais je suis en chemise, oui, parce que par chance mon appartement est très frais. Et ça, on aime. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Une pile pour un challenge vraiment canon que je vais vous présenter. Un colis que j'ai réceptionné, une lecture terminée, une lecture commencée. Et je voulais aussi vous présenter un colis qui n'a pas forcément grand rapport avec la littérature et les livres. Même si la personne qui façonne les petites choses que je vais vous montrer est une fan de livres. Je commence par quoi? Je vais commencer par le colis réceptionné de la part des éditions Flammarion. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est vrai que j'avais reçu le communiqué de presse. Je trouve que la luminosité est bizarre. Bref, j'avais reçu le communiqué de presse et c'est un premier roman de Laure de Rivière qui s'appelle La Belle Famille qui est sorti le 4 mai dernier. Une héroïne moderne qui s'ignore entre Barbe Bleue et Madame Bovary. Je crois que c'est ça qui a fini de me convaincre. Donc édité chez Flammarion, je vous présente du coup la couverture. Hop, attendez, je vais remettre bien la couverture. Voilà. Hop là. La Belle Famille, du coup. Laure de Rivière, je vous lis le dos. Quand j'ai répondu à cette petite annonce, et Dieu sait qu'à cette époque, j'aurais pris n'importe quoi, je n'aurais jamais pu imaginer ce qui allait m'arriver. D'ailleurs, personne n'aurait pu s'en douter. Et je ne sais pas si quelqu'un aurait pu m'en protéger. Manon a 20 ans quand elle rencontre l'homme qui va changer le cours de sa vie, charmeur et sûr de lui, ce catholique intégriste et père de 5 enfants, révèle peu à peu son caractère trouble et dangereux. En fonçant tête baissée dans l'obscurité d'une famille ou d'un monde qui lui sont étrangers, Manon s'engage sur un chemin chaotique dont personne ne sortira indemne. Inspiré d'une histoire vraie, ce roman nous est raconté à la fois par Manon, jeune étudiante indépendante et affranchie, ainsi que par tous les protagonistes, chacun ayant un regard et un jugement différent. Qui est cette femme capable d'abnégation, de bonté, mais aussi de vraie liberté? Je pense qu'il va être, quand j'avais lu le résumé, je m'étais dit « Waouh, ce roman, à mon avis, va être très 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 fort ». Donc à voir, mais j'ai très envie de le commencer bientôt en fait. Ouais, premier roman, et Laure de Rivière est scénariste. Voilà, La Belle Famille de Laure de Rivière. Merci beaucoup aux éditions Flammarion pour l'envoi de ce roman. Par quoi je
Par quoi je continue? Ah bah si, je vais vous faire un petit update de ma dernière lecture que j'ai terminée sous un grand ciel bleu d'Anna McPartlin. Entre-temps, j'en ai commencé un autre que je vais vous présenter juste après. Mais c'est vrai que j'ai pas fait de retour vraiment complet sur du coup ce tome 2, puisque le premier tome c'était Les derniers jours de Rabbit Eyes. Et là, du coup, donc c'est la suite où. Alors, c'est toujours un peu gênant avec ce livre parce qu'en fait, c'est difficile de vous en parler sans vous dire ce qu'il se passe dans le premier roman. Et en même temps, le premier tome s'appelle Les derniers jours de Anna McPartlin. Donc, le titre, en fait, évoque clairement la fin et vous vous doutez de ce qui se passe. Les derniers jours de Rabbit Eyes, pardon, d'Anna McPartlin, donc vous vous doutez bien que dans le titre, enfin, voilà, on a un peu forcément la fin, donc aucune surprise, et c'est pas grave parce que du coup c'est pas l'objet du roman, et donc du coup la tragédie donne lieu à un second livre qui est celui-ci, où du coup on va retrouver toute la famille de Rabbit Eyes et la façon dont ils se reconstruisent suite à cette tragédie. Donc il y a sa fille Juliette, il a son frère Davey, il y a sa sœur Grace, il y a Molly et Jack, ses parents, il y a Marjorie, sa meilleure pote, ses neveux aussi, enfin il y a toute une famille comme ça, une espèce de mini communauté qui gravitait autour de Rabbit Eyes, et voilà, la tragédie a eu lieu, donc comment aujourd'hui on se reconstruit quand cette personne n'est plus là. Donc il y a vraiment tous les profils. Il y a du coup Jack, le père, qui va complètement se renfermer et se nourrir du passé en lisant des journaux intimes. Il y a Grace qui, elle, malheureusement, va découvrir au niveau de sa santé quelque chose qui cloche et qui n'est pas sans rappeler les problématiques de Rabbit Eyes, sa sœur. Il y a Juliette qui du coup va partir avec son oncle Davey aux États-Unis en tournée musicale et qui va un petit peu marcher dans les pas de sa maman qui était ingénieure du son, notamment en plus d'être journaliste. Enfin voilà, c'est un peu comment on fait avec le deuil, qu'est-ce qu'on en fait, comment on progresse. Donc là, le roman se passe sur une année, puis la deuxième, mais la deuxième passe un peu plus rapidement. Comment on renaît, comment il y a Molly, la mère, qui pète clairement complètement un câble. Voilà, c'est vraiment différents profils comme ça qui tournent autour de l'acceptation de la disparition de quelqu'un de cher et comment on fait pour continuer à survivre après ça. J'ai préféré ce tome 2 au tome 1, je sais pas si vous vous souvenez, mais le tome 1, je m'attendais à être beaucoup plus dans l'émotion, beaucoup plus affectée. Et au final, j'ai été beaucoup plus dans l'émotion enfin, avec celui-ci. Peut-être parce que du coup, j'étais d'autant plus attachée au personnage que je les retrouvais. Et que là, on est sur une seconde tragédie pour moi qui est la tragédie de l'absence de la personne. Et je sais pas, ça m'a beaucoup plus. Beaucoup plus touchée, donc c'est vraiment une excellente lecture, et d'ailleurs donc que j'ai lu dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket, et que j'ai donc on avait 7 livres à lire, 7 ou 8, 7, 8, et dans le classement je l'ai mis en tête du classement, parce que vraiment pour moi l'écriture aborde vraiment tout, n'oublie absolument rien sur toutes ces thématiques, et est extrêmement juste et fluide et émouvante. Enfin voilà, vraiment j'ai beaucoup 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 apprécié cette seconde lecture de cet auteur que je découvrais d'ailleurs avec les derniers jours de Rabbit Eyes, et je ne suis absolument pas déçue. Lecture suivante, ça fait un moment que je l'ai dans ma palle. J'ai hésité avant de le sortir et je ne sais pas pourquoi, parce que vraiment je suis complètement emballée. Il s'agit du livre de John Grisham, Le cas Nelson Kerr. John Grisham, pour celles et ceux qui connaissent, il a notamment écrit le best-seller L'Affaire Pélican. Et il me semble qu'il y a une adaptation cinématographique de L'Affaire Pélican. Mais en tout cas, ce nom m'évoque quelque chose en effet d'assez renommé. Et je comprends pourquoi John Grisham, du coup, est un auteur de best-seller, puisque là, j'en suis page 80. J'ai commencé ce matin. Bon, clairement, je pourrais lire beaucoup plus parce que là.
enfin, je suis complètement emballée par l'écriture. Je vois absolument pas, et l'histoire, je vois absolument pas les pages passées. Et je pense que là, je me pose 3 heures et je le termine en fait. Sauf que j'ai bien entendu d'autres choses à faire. Pour du coup vous situer un petit peu l'histoire, il s'agit de Bruce. Bruce, il est libraire sur une petite île qui s'appelle l'île de Camino. Et en fait, il se trouve que au moment où se déroule l'histoire, il y a Léo qui est un ouragan qui est un peu sur une trajectoire assez, assez étrange. Même les météorologues sont assez, comment dire, assez ébahi, assez impuissant face au trajet emprunté par cet ouragan. Et du coup, cet ouragan, dans tous les cas, compte tenu des prédictions, est censé éviter l'île de Camino, sauf que absolument pas. Et quand il va atteindre l'île de Camino, il va vraiment être au maximum de sa violence. D'ailleurs, je trouvais ça assez rigolo parce que on introduit du coup ce livre avec Léo, donc du coup l'ouragan, et il est vraiment personnifié, c'est-à-dire qu'on dirait que c'est un personnage à part entière, et je pense que ça va être un personnage à part entière, même une fois son passage fait sur l'île de Camino, il est encore bien présent parce que c'est un réel désastre. Bref, toujours est-il que on suit Bruce qui est libraire, qui du coup invite Mercer Mann, qui est du coup une autrice de best-seller et qui est censée venir dans la librairie de Bruce sur l'île de Camino pour présenter son prochain ouvrage. Sauf qu'elle n'a pas le temps de le faire puisque l'ouragan arrive. Et puis c'est ce vlog. Ce qu'il va se passer, c'est que sur l'île, il y a un autre auteur qui s'appelle Nelson Kerr, qui est aussi un auteur de best-seller. Et le lendemain matin du passage de l'ouragan, on découvre que Nelson Kerr est décédé. On le retrouve à l'extérieur de sa maison, le corps sur un muret, avec trois grosses cicatrices. Donc forcément, la première hypothèse, c'est l'ouragan. Enfin, je sais pas, il a dû... On reprend, pardon, excusez-moi, j'ai bâillé. Du coup, on retrouve Nelson Kerr sur un petit muret devant chez lui, mort. Il a plusieurs coups au visage, sur la tête en tout cas. Au début, la police pense que... Enfin, la police, c'est un peu la débandade, on est le lendemain de l'ouragan, hein, donc tout est détruit, il y a de l'eau partout, de la boue, des câbles qui pendent, des troncs entiers. Enfin, c'est tellement la débandade qu'en fait ce corps va rester quand même quelques heures avant que quelqu'un se décide à venir pour l'emporter. Mais toujours est-il que Bruce et d'autres amis de Bruce arrivent sur place, découvrent du coup le corps, puisque Nelson Kerr avait donné le numéro de téléphone de Bruce en cas de souci. Donc la police appelle Bruce pour que Bruce vienne identifier le corps, et il s'agit bien du coup de Nelson Kerr. Et en fait, du coup, les trois amis restent près du corps le temps que la police aille chercher, enfin bref, fasse des allers-retours, et puis bah, ils ont aussi autre chose à faire, mine de rien, avec les autres habitants et cet ouragan qui a tout dévasté. Et du coup, les trois amis se disent « Non mais attendez les gars, réfléchissons un peu 2 secondes. Oui, forcément, l'ouragan, il a dû sortir et se prendre un tronc. Mais pourquoi il serait sorti en pleine tempête? Mais il avait un chien, peut-être que son chien a voulu sortir, peut-être qu'il a suivi son chien pour le rattraper. » Enfin, le truc colle pas, et il capte tout de suite qu'il y a un truc qui ne colle absolument pas, et que Nelson Kerr, en plein ouragan, ne serait jamais sorti de chez lui comme ça. Voilà, donc ça part là-dessus, sur un bon thriller, hein. C'est quand même qualifié de thriller. Est-ce que c'est qualifié de thriller? Oui, puisque Ken Follett dit quand même que c'est le plus grand auteur de thriller contemporain, donc on est clairement sur un thriller. En tout cas, voilà, bon, je suis page 80, donc j'en suis au tout début, mais franchement, je ne suis absolument pas déçue. Les pages filent à une allure de dingue, et j'adore ce contexte un peu post-apocalyptique d'un ouragan qui est passé, et d'un potentiel tueur qui a profité de cet ouragan pour clairement ne pas laisser de traces, et profiter un peu de cette débandade et des forces de l'ordre qui du coup sont plus à chercher les victimes de l'ouragan plutôt qu'à résoudre une enquête. Donc franchement, John Grisham, le cas Nelson Kerr, ça commence très très bien. Et du coup, je lis en même temps ce livre dans le cadre d'un challenge que je voulais vous présenter, qui s'appelle le challenge cahier de vacances, et qui est proposé par Marie, ma jolie Bibli. J'adore déjà le nom cahier de vacances, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Alors,
vous savez très bien, enfin vous avez peut-être remarqué que j'aime bien participer de temps en temps à certains challenges, mais qu'il est difficile pour moi d'aller jusqu'au bout, d'avoir une certaine régularité, de valider les catégories, etc. Bon bref, je réitère l'expérience, à voir si j'y arrive. En tout cas, je me suis fait une petite sélection. Il y a combien ? Il y a 10 catégories, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il y a 10 catégories. Ce qui est cool, c'est que du coup, comme un cahier de vacances, vous avez des matières. Vous avez mathématiques, français, histoire, SVT, sport, etc. Avec du coup, le détail de la catégorie qui est associée. Du coup, ce livre... je l'ai fait rentrer dans la catégorie art plastique, lire un livre avec du bleu sur la couverture. Je pense que niveau bleu, on est pas mal. Je vais encore bailler. Je vais encore bailler. Je sors de chez l'ostéo, hein, c'est peut-être pour ça. Non ? Non. Ensuite, mathématiques, lire un thriller psychologique. Du coup, j'ai choisi La Remplaçante de Michel Frances, que je vous présentais déjà dans un précédent vlog édité chez Archipoche. Un bon thriller psychologique, je ne vais pas vous redonner le résumé parce que vous l'avez eu dans un précédent vlog. Lire un auteur de la région. Alors là, c'était un peu compliqué parce que j'avais pas forcément envie d'acheter de livres spécialement pour le challenge. Je voulais vraiment taper dans les auteurs que j'avais. Ma région, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tapé dans Google « auteur célèbre Auvergne-Rhône-Alpes » en me disant que j'ai potentiellement plus de chances d'avoir un auteur célèbre dans ma palle plutôt qu'un petit auteur voilà, auto-édité, etc. Et alors, j'ai découvert que Franck Tillier était né dans ma région, à Annecy. Ouais, c'est ça, hein, à Annecy, je crois que c'est ce que j'ai lu. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Non, mais ma cocotte, en fait, ne cherche pas plus loin, tu vas lire un Tillier. » Quoi ? Tu as encore des Tilliers que tu n'as pas lus ? Oui, il y a encore des Tilliers que je n'ai pas lus. Et du coup, il s'agit de La Chambre des Morts de Franck Tillier que m'a offert Manon, les lectures de Manon pour mon anniversaire avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dédicace de Franck Tillier qui quand même me souhaite un joyeux anniversaire dans ce livre. J'étais tellement heureuse quand j'ai ouvert le paquet, du coup, La Chambre des Morts de Franck Tillier. Voici ce que j'ai choisi pour français, lire un auteur de la région. Ensuite, éducation sportive, lire un livre de plus de 500 pages. Et là, j'ai choisi, hop, un livre qui pouvait rentrer clairement dans plein de catégories et que j'ai fait rentrer dans deux catégories. Donc le livre de plus de 500 pages, Les 7 sœurs, la sœur du soleil, donc la fameuse saga de Lucinda Riley, qu'on ne présente plus maintenant. Clairement, c'est un bon petit pavé. Et j'ai tellement hâte de découvrir Electra, du coup, qui est la sœur, la sixième sœur qui est mannequin et qui semble être un personnage assez torturé. Et du coup, j'ai aussi calé ce livre dans la catégorie géographie, lire un livre dans lequel il y a un voyage. Et là, nous partons en Afrique. Donc, j'ai choisi celui-ci. Ensuite, SVT, lire un livre dont le titre comporte un élément de la nature. Alors moi, c'est vrai que pour moi, élément de la nature, on est plutôt sur de la flore. Et pas forcément de la faune. Mais du coup, lors de son live hier, j'ai posé la question à Marie, parce qu'il y en a un livre que je pouvais potentiellement caler, mais c'était pas forcément en lien avec la flore, mais clairement en lien avec la faune. Puisqu'il s'agit de Crocodile de Denis Gombert, que m'a envoyé le Cherche Midi très récemment. Et je me suis dit, non mais c'est parfait, en fait, SVT, Crocodile, ça colle. Et Marie m'a dit, ça colle. Donc, je vais lire celui-ci pour la catégorie SVT. Histoire, lire un roman historique. Et là, je vais sortir. Hop, et que je lis d'ailleurs dans le cadre d'une lecture commune que j'organise à partir du 4 juillet. Le premier tome de La Villa aux étoffes d'Anne Jacob qui se... Pour moi, c'est un roman historique. En plus, c'est marqué « Un roman historique qui saisit magnifiquement l'esprit de ce début du XXe siècle ». Alors, voilà, est-ce que ça reprend vraiment des faits historiques réels ou est-ce que c'est dans un contexte historique plutôt global ? En tout cas, j'ai vu que c'était marqué « Roman historique », donc je me suis dit « Bah, ça peut carrément le faire », puisque je n'ai encore jamais lu cette saga. Et oui, c'est possible. Anglais, lire un classique d'une auteure anglaise. Alors c'est pas... Ah, c'est vrai que c'est pas forcément un classique. Ah, c'est pas un classique. Ah, ou alors je cale un Jane Austen ou un Charlotte Bronte. Ah, c'est pas un classique. C'est vrai, j'avais calé L'assassin entre en scène d'une Gaille aux marches, la fameuse pionnière du cozy mystery. Et
en même temps, on peut considérer que c'est un classique, hein, puisqu'elle a écrit dans les années 30. Agatha Christie, on considère ça comme un classique. Bon, à voir, je demanderai à Marie, mais en tout cas, potentiellement, je cale ça, l'assassin entre en scène, les enquêtes de Roderick Allain de Guy Aumarche pour, du coup, la catégorie lire un classique d'un auteur anglais. Donc ça, je l'ai dit. Vacances méritées, continuer ou commencer une saga. Et là, j'ai pris, où est-ce qu'il est ? L'ombre de la menace de Rachel Caine, puisque j'avais lu le tome 1 qui est... Non, l'ombre de l'assassin, puisque j'ai lu le tome 1 qui est l'ombre de la menace. J'ai toujours beaucoup de mal hein, avec les titres de cette trilogie, puisqu'il y en a un dernier. Bon, voilà, je vais pas réussir à vous sortir le nom. En tout cas, je vais continuer du coup cette trilogie de Rachel Caine avec ce deuxième tome que m'a envoyé du coup les éditions Archipoche. Et celui-ci, il va passer comme le premier, comme une lettre à la poste. Et le bonus, c'est lire un livre en lecture commune. Et là, du coup, j'ai les guenilles. Surprise! Blackwater, le tome 1, La Crue, que je lis en lecture commune avec notamment Marie Lucialine Books, mais avec plein d'autres personnes, puisque Marie organise une lecture commune du tome 1 à partir du 25 juin prochain. Donc c'est parfait. Voilà pour ma bonne petite palle du challenge. Voilà. Donc écoutez. À voir, est-ce que je vais tenir la cadence ? Est-ce que je vais y arriver cette fois-ci ou pas ? Ah, j'espère que oui, ce serait bien, j'aimerais bien une fois dans ma vie valider un challenge en fait organisé par les copines, ça me ferait grand grand plaisir. On est à combien là ? 20 minutes, ouh là là, allez. Et la dernière chose que dont je voulais vous parler, il y a quelques temps, j'ai été contactée par Lucie, qui a un compte Instagram personnel, mais qui surtout a un compte Instagram pour son atelier qui s'appelle l'atelier de Fadette. Fadette, n'est-ce pas? Ça vous dit quelque chose? Elle a choisi d'ailleurs ce nom puisque bien sûr c'est une fan de littérature, Lucie. Et du coup c'était un joli hommage. Alors je regarde par là parce que en fait j'ai quelques petites on va dire informations à vous donner sur Lucie et l'atelier de Fadette. Donc elle m'a contactée il y a quelques temps en me disant voilà, j'aimerais bien t'envoyer un petit colis et tout, ça me ferait vraiment vraiment plaisir. Alors c'est vrai que c'est toujours un petit peu gênant et en même temps bah ça fait quand même super super plaisir aussi. Et du coup, quand j'ai reçu son colis, je lui ai dit non mais en fait, Lucie, j'ai très envie de parler de ce que tu fais parce que je trouve que c'est génial, je trouve que les valeurs sont top. La façon dont tu crées ça, la façon dont tu le valorises, enfin, j'ai très envie en fait de parler de ce que tu fais et voilà. Donc en fait, l'atelier de Fadette, c'est une... Donc Lucie confectionne des bougies végétales à la cire de soja et au parfum de grasse et elle les fabrique en plein cœur des volcans d'Auvergne. Si vous ne connaissez pas cette partie de la France, je vous le conseille puisque les volcans d'Auvergne, c'est absolument... magnifique. Donc vous imaginez Lucie dans son atelier de Fadette confectionner ses bougies comme ça. Et donc elle m'a envoyé, sachant que du coup j'étais enceinte et j'ai trouvé l'attention vraiment super super top, une bougie qui s'appelle Baby Love. Je sais pas si on verra bien. Je vous ferai des plans, enfin j'insérerai des plans. Et cette odeur, je l'ai pas encore allumée parce que j'ai pas envie. En fait, je me dis si je la commence, je vais tout le temps en train de l'allumer. Après, j'en aurai plus. En même temps, j'en rachèterai. Ah oh là là, c'est un mélange de. En fait, ça porte bien son nom, un baby love. Vous avez l'impression de sentir la peau d'un bébé. C'est un mélange de ce parfum tartiné chocolat bleu là que j'avais quand j'étais gamine, avec Nustella et le parfum Corolle, des poupées Corolle, vous voyez ? Mais pas par contre, pas du tout, on n'est pas sur une odeur industrielle ultra forte, c'est tout ça, mais de façon très légère et très naturelle. C'est dommage que je puisse pas faire ça et que vous puissiez pas sentir vous aussi, parce que, enfin bref. Donc j'adore quoi, et puis ce que j'aime beaucoup c'est voilà, c'est que ces bougies, et c'est pour ça que j'ai pris mon ordinateur, donc elles sont faites main, 45 heures, là c'est 180 grammes, donc vous pouvez la brûler pendant 45 heures,
cire de soja 100% végétal naturel vegan biodégradable fabrication européenne, fragrance élaborée par un parfumeur français à Grasse, garantie sans substances cancérogènes, mutagènes, etc., sans matière animale. La mèche est en coton, sans traitement chimique, elle est non blanchie, elle est certifiée au Ecotex, si vous connaissez. Le bocal est en verre recyclé, la capsule en aluminium, on peut recycler le contenant. Enfin, voilà, c'est... Et pareil, même l'expédition, le papier de soie de fabrication française, enfin tout, en fait, de A à Z, les valeurs de l'atelier de Fadette, donc de Lucie, sont juste parfaites, en fait. C'est-à-dire que je ne trouve pas de points noirs. Qu'est-ce qu'elle met d'autre? Pareil, la boîte en carton est éco-responsable, fabrication française à base de matériaux recyclés à 100%. Enfin, mon engagement attentive au respect d'autrui, de la faune et de l'environnement. Elle sélectionne minutieusement les matières premières de qualité, privilégiant des partenaires français ou limitrophes afin de proposer des produits uniques et éthiques. Voilà. Donc franchement, l'atelier de Fadette, je vais tout vous mettre et en barre d'infos, et là je vous mettrai son compte Instagram. Enfin voilà, c'est l'atelier de Fadette. Et franchement, allez-y, parce que, alors, il y a du coup, moi j'avais Baby Love, mais il y a aussi, il y a d'autres bougies. Je vais essayer de vous donner d'autres exemples. Vous avez la bougie Edelweiss, une bougie Agatha qui est une bougie végétale littéraire, donc j'imagine en lien avec Agatha Christie. Il y a la bougie Jane, pour Jane Austen, menthe, basilic, vanille, Edelweiss, enfin... Il y a plein de bougies et les packagings sont différents. Vous avez des bougies, du coup, dans des bocaux en verre comme ça, et d'autres, c'est dans des bocaux plutôt en métal, un peu couleur gold. Mais voilà, je vous mettrai aussi, du coup, le lien vers sa boutique Etsy, mais franchement... allez-y, là la bougie Agatha Nuit d'Orient en référence à Agatha Christie, note olfactive boisée, épicée orientale, vanillée. Je vais être obligée de passer une commande, en fait. Et là c'est cool parce que du coup elle commence vraiment à bien mettre en place sa boutique, son compte Instagram et tout, et franchement c'est top, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que du coup là c'est bon, enfin vous pouvez y aller. En plus elle me disait qu'elle avait fait un gros réassort de matières premières, et je voulais aussi vous montrer autre chose, puisqu'elle m'a envoyé, pareil, toujours dans... Ben voilà, sachant que j'attendais un petit bout, et comme quoi elle me suit depuis un moment, puisque elle a bien sûr capté que j'étais complètement fan de l'Écosse. Elle m'a fait, mais vous allez voir, c'est trop, 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 trop chou. Elle a fabriqué des petits chaussons en motif tartan écossais. Et alors, tartan écossais dans les verts et bleus. Enfin, je sais pas, vous voyez mon mur. Je sais pas, à un moment, c'est clair que j'aime le vert écossais. Et là, mais... Oh, quand il va mettre ses petits petons là-dedans, mais il va être tellement comme un coq en pâte. Voilà, donc franchement, Lucie, enfin, tu sais bien hein, ce que je pense du coup de ton colis, de l'envoi, de ce que tu fais, de tes valeurs et tout. Enfin, voilà, je suis complètement, complètement fan. Et du coup, voilà, donc elle propose des bougies, mais elle propose, voilà, elle propose aussi plein d'autres petits accessoires. Elle est en train de faire grossir sa boutique. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir sa boutique, et franchement, allez-y les yeux fermés. Écoutez, je vous laisse là-dessus. J'ai l'impression de vous avoir raconté ma vie. En même temps, 27 minutes, c'est énorme. Je vais peut-être essayer de couper 2-3 trucs. En tout cas, je vous reprends demain, sûrement, pour conclure le vlog qui sera du coup publié dimanche, comme d'habitude. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes samedi et je reviens pour clôturer la vidéo de la semaine. J'ai poursuivi ma lecture hier soir du cas Nelson Kerr de John Grisham, édité chez J.C. Lattès. J'ai lu 153 pages, on est à peu près à la moitié. Alors autant hier je vous disais que j'étais plutôt emballée par ma lecture, autant là je deviens de plus en plus sceptique. Pour la simple et bonne raison qu'il y a plein de choses qui me semblent peu probables, et je sais pas, je trouve qu'il y a des choses qui ne collent pas. Typiquement, donc on suit Bruce qui, sur l'île de Camino, est libraire
mais il parle de ses amis auteurs, de ses auteurs, comme s'il était éditeur, sauf qu'il est libraire. Donc déjà, ça, je trouve, c'est très bizarre, enfin, la relation qu'il entretient avec ses auteurs. Ensuite, lorsqu'il découvre le corps de Nelson Kerr, donc lui et ses deux autres amis, Nick et Bob, se mettent un petit peu à enquêter de leur côté et à vouloir dissimuler des choses par la police, mais pour des raisons vraiment assez étranges et pas très claires, mais pas très claires dans le sens ils n'ont pas quelque chose à cacher, dans le sens pas très probante, quoi, enfin vraiment étrange. Il s'invite chez le médecin légiste pour lui demander les résultats de l'autopsie. Je rappelle, le mec est libraire. Et il demande à parler au responsable, qu'il est en contact avec les parents de Nelson Kerr et qu'il veut pouvoir leur dire quelque chose. Est-ce que leur fils a été tué ou pas? Il me semble que seule la police a accès aux résultats d'autopsie, a accès au médecin légiste, et il me semble que c'est d'ailleurs eux qui préviennent la famille. Donc je comprends pas trop en fait cette place qu'il prend là dans l'enquête. Enfin, qui est assez ahurissante et qui correspond absolument pas avec la réalité des choses. Après, je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais là, c'est clairement, il débarque avec ses deux acolytes, voir le médecin légiste, et c'est bonjour, on aimerait bien avoir les résultats de l'autopsie. Et il y a plein de choses comme ça où vraiment, c'est-à-dire que je suis dans les pages et je. Voilà, c'est ça, mon regard, c'est. Hein? Donc, enfin bref, c'est très 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 étrange. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu et ont eu cette impression, mais moi ça me déstabilise complètement tous ces moments où je me dis mais c'est pas réel, c'est pas possible. En fait, la façon dont ils agissent dans la réalité, ce ne serait absolument pas possible de réagir comme ça. Tu n'es que libraire en fait. Donc, enfin, je suis pas en train de dire que c'est grave d'être libraire et que c'est un sous-métier, absolument pas, mais que tu ne peux pas, en tant que libraire, mener ton enquête, accéder à des informations, détenir des indices et ne pas les donner pour des raisons complètement floues. Bref, je sais pas trop là où John Grisham nous mène. En tout cas, je continue parce qu'il me reste pas grand-chose et que je veux voir où il nous mène, parce que peut-être que toutes ces incohérences nous mènent quelque part, donc je vais poursuivre, mais là je suis de plus en plus sceptique quand même sur ma lecture. Voilà, j'ai tellement hâte de commencer Blackwater, on en parlait avec Marie de Lucioline Books. J'ai tellement hâte de le commencer, elle me disait d'ailleurs qu'elle aurait dû prévoir la lecture commune un peu plus tôt que le 25, puisqu'elle avait hâte aussi. Je sais qu'il y a une coquinette en commun qui a déjà commencé Blackwater. Et elle a bien raison, hein. Après tout, faut jamais, jamais, jamais se sentir frustrée. C'est pas bon du tout. Et voilà, non, mais c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suppose que comme ici, il fait extrêmement chaud. Heureusement, dans la partie, il fait frais, donc ça, c'est cool. Et vous allez rire, mais je pense que je vais aller me mettre sur le balcon avec une bassine d'eau fraîche pour mes pieds. Oui, parce que je commence à avoir les pieds qui gonflent. Hein. Merci la fin de la grossesse. Et une glace et un bouquin. Je pense que je vais me faire ce petit kiff. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bon week-end, une belle semaine à venir. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine.